Hey, yo les nabos! Aujourd'hui, Benji et moi, on est ravis de vous retrouver pour la dernière partie, on l'espère, de Five Nights at Freddy's 4. On va tenter de finir la nuit 3, 4 et 5, n'est-ce pas Benji? Il est d'accord, mais juste avant de lancer l'épisode, j'aimerais simplement vous dire que je dois énormément vous aimer. Parce qu'il faut que vous sachiez que j'ai supprimé mon ancienne partie par mégarde et que j'ai fait les nuits 1 et 2 avant de tourner cette vidéo. Ce qui veut dire que là, tout de suite, je suis déjà psychologiquement bien amochée. Et c'est pas fini. 3 jours avant la fête. Changement de scène, position fœtale sous la table. Des ballons derrière, ils ressemblent aux sucettes que j'avais proposé à Foxy. C'est les mêmes. Sauf que c'est des ballons, c'est pas des sucettes. Tu es juste à côté de la sortie. Si tu cours, tu peux le faire. Vas-y, gamin. Relève-toi, gamin. Vas-y, prends ton courage à deux boobs et vas-y, petit gamin. Cours, cours vers la sortie même. C'est pas la bonne direction là. Putain, c'est où la sortie en fait? C'est où la sortie, motherfucker? À droite ou c'est la porte là peut-être? La porte là? M'en fous, je vais aller là. Hop. Ah! Agressé par un mec en costume d'ours. Ah! Ce jeu est parfaitement sain. Allez, on va aller à gauche. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ici? On finit comme on a commencé, en position fœtale. Et demain est encore un autre jour. Voilà. Ah, comme mon bon vieux temps. Je retrouve mes jouets, mon placard, mon lit. Lui aussi, il est là. Bonjour l'ourson. Tout le monde est là, en fait, comme avant. Y a pas de doute, on est bien de retour, hein. Mais cette fois-ci, je compte mettre en pratique une nouvelle technique. C'est la technique de la crise d'épilepsie chez les animatronics. Démonstration. Oh non, y a de la lumière chez mes caches. C'est super efficace. Epileptic lamp pour la modique somme de 666,666€. Casse-toi, nounours. Merci. Concentration, j'entends rien du tout. Lampe, lampe. Et il y a rien du tout. Très bien, c'est cool, c'est cool. Oh, le placard vient de bouger. La porte de droite, là. Elle a bougé, non? Non, c'est juste mon imagination. Ah oh, c'est pas mon imagination. C'était vrai, putain, c'était vrai. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans le placard? J'ai bien une idée. Elle est où la sucette? Pourquoi tu veux pas me donner de sucette à moi? Pourquoi j'ai jamais de sucette? Moi, j'en ai marre. Nuit 3, second essai. Vérification des oursons. Rien à signaler. Hormine. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était pas là, ça, avant. Une poche à perfusion, à côté de mon lit. Non, mais j'ai pas rêvé. Elle a disparu. Elle a juste disparu. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les oursons jouent avec mes nerfs. J'apprécie pas. Ils font apparaître et disparaître des objets, là. Est-ce que j'entends quelque chose? Oui, j'entends une horloge. Il n'y a rien à craindre, petit homme. Oh! Non! J'ai dit qu'il n'y avait rien à craindre, petit homme. Tu fermes ta gueule, petit ourson. J'imagine bien les oursons sadiques, là, sous le lit, qui attendent que je me retourne pour faire apparaître des objets pouf comme ça à côté de mon lit alors qu'il n'y avait rien à la base. Ils essaient de me rendre taré, mais ils n'ont pas besoin d'essayer. J'ai pas besoin d'eux pour ça. Bonnie, je l'ai vu disparaître. Pourquoi? Pourquoi j'ai rallumé la lumière? Mais je savais qu'il était là. Oh putain, mais qu'est-ce que je peux être... Five Nights at Freddy's 4, je vais y passer ma vie. Cours, petit garçon, en pleine nuit. J'ai entendu un truc courir derrière moi, là. Le placard qui vient de bouger. Oh non, oh non, c'est trop moche, là. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. On prend nos boobs à deux mains et c'est parti. Ah, oh putain. J'ai Foxy dans mon placard, les amis. Faudrait aussi que je me méfie de ce qu'il y a sous mon lit. Ah, ou alors ce qu'il y a sur mon lit, putain. Mais arrêtez de m'envahir partout. Des placards qui ferment pas, mais quelle merveilleuse idée. Foxy, est-ce que tu es toujours là? Oui, il est là. Et maintenant? 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 Oh, il est mignon. Tu peux rester dans mon placard tant que tu veux, mon petit Foxy. Mais sur tant de mignonisme, je dois m'en aller. Je dois vérifier s'il n'y a pas d'autres méchants qui en veulent à ma vie. Genre l'ourson, l'ourson, moi, toujours là, toi. Qu'est-ce que c'était que cette chose? Je crois que je me suis fait attaquer par un cupcake rose. Oh mon dieu. Même si je me fais bouffer par des cupcakes, je continuerai à manger des gâteaux. Vérification porte gauche. On écoute. Rien du tout. On éclaire, on se casse. Derrière, sur le lit, on éclaire le lit. Vérification porte droite. On écoute. On n'entend rien, on éclaire, on se casse. On retourne au lit, on éclaire le lit.
Les oursons s'amusent encore à me faire tourner en bourrique. Ça, ce machin-là, c'était pas là tout à l'heure. J'en atteste, j'en suis sûre. En tout cas, l'enfant qu'on incarne a l'air d'être très malade vu tout ce qu'on retrouve derrière en mode aléatoire à côté de son lit. Il doit être sujet aux hallucinations et puis un tout petit peu... Stress ! Oh ! Au stress ! Au stress, putain ! Je comprends cet enfant ! Donne-moi tes médicaments, partage ! J'ai besoin ! J'ai tellement de pulsations cardiaques par minute que j'ai peur de mourir. De mourir en direct. Engagée, je la sens bien, je la sens tout à fait bien. J'ai le flair aiguisé, je les sens arriver maintenant, les... Ah, ils sont deux, ils étaient deux. Chica qui se cache, Chica qui croit que je ne l'ai pas vue. Mais bouge ta grosse tête! Casse-toi de mon placard! Ça coince dans les portes! Bon bah fais comme tu veux, si c'est ton trip de rester coincé dans un placard pour enfants, c'est malsain, mais c'est pas mon problème. Ah, j'entends un souffle, j'ai entendu un souffle! On va ouvrir doucement, délicatement. Mode râleuse activé. Je savais qu'il y en avait un ici. Mais je voulais pas appuyer sur la lampe, moi. S'infliger Five Nights at Freddy's, c'est une véritable torture. Je sais pas si vous pouvez vous imaginer, putain de Chica, elle est déjà là. Dès minuit, sérieux. Bah oui, voilà, elle me tend son cupcake. Son cupcake maléfique. Police municipale, vous êtes cernée. Déposez votre cupcake au sol, mademoiselle. Ourson derrière, bonjour. Bonnie à gauche, bonjour. Vous aussi, vous êtes cerné, monsieur le lapin violet. Veuillez n'opposer aucune résistance. Taille le placard qui vient de s'activer. Je suis officiellement cerné. C'est la fiesta dans ma chambre. Avec Foxy DJ. Il envoie du son. Foxy DJ depuis son placard de chambre d'enfant. Une très mauvaise posture, lequel va me faire les fesses. Et la réponse est... Ah, on m'a offert des fleurs. Ils m'ont apporté un pot de fleurs, c'est adorable. Merci, mais j'aime pas les fleurs. Je déteste les fleurs. J'aurais préféré qu'ils m'offrent une boîte de chocolat, c'est quand même deux fois, trois fois, quatre fois plus mangeable que des fleurs. Mais non. C'est trop demandé. Ah, j'entends rien, on allume. Chica, Foxy? Chica et Foxy, dans un coin. Ah non, non c'est pas ce que je... C'est dégueulasse. Petit coquinou. Mais du coup, comme ils sont grandement occupés, c'est super calme, je suis absolument pas embêtée. J'ai pas super envie de dire que je m'en sors bien pour éviter de briser la magie qui s'opère là, mais un peu quand même, hein. Je survis bien, hein. D'ailleurs, je survis tellement bien que je vais me faire une folie. J'ai retiré le petit post-it qui cache l'heure. Hop. Il est déjà 5h du matin, c'est magnifique et c'est génial. Je crois que je suis jamais encore allée aussi loin. Faut que je m'accroche. Allez, ça va venir. Si ça se trouve, ça vient tout juste de passer 5h du matin et moi, je m'excite pour rien. Oh. Oh oui! 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 Ça y est! Ça y est! C'est fait! Oh, j'en suis trop contente! C'est comme si on venait de me donner 1 million d'euros, je suis trop contente! La 4e nuit, c'est fait! Quant à la 5e, ce sera pas pour tout de suite. Il faut le temps que je reprenne mes esprits, que j'évacue le stress. Mais si vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner, à déposer un like et vous pouvez aussi commenter vos passages préférés. Et en attendant la prochaine, à tous, je vous fais de gros bisous.